Le Salon des Entrepreneurs à Lyon fait partie de la chaîne des Salons des Entrepreneurs Paris, Lyon, Nantes, Marseille, peut-être un jour Toulouse, Montpellier, Lille, qui sait, et qui sont des grands salons sur la création d'entreprises, la reprise d'entreprise, se mettre à son compte. Voilà, et c'est pendant 2 jours un espèce de, j'en veux dire, une thalasso de l'entrepreneuriat pour aider et accompagner toutes celles et tous ceux qui veulent créer des entreprises. Oui, Lyon est une terre particulièrement fertile en entrepreneuriat, avec beaucoup de très belles entreprises, de très belles ETI, des filières très actives. Et on s'aperçoit qu'à Lyon comme ailleurs, de toute la façon, maintenant l'entrepreneuriat est une lame de fond et qui emporte absolument tout le monde. Je crois qu'on a dénombré 550 000 créations d'entreprises en 2017, même si on enlève les auto-entrepreneurs. Mais pourquoi les enlever d'ailleurs? Si je m'installe en tant qu'auto-entrepreneur, c'est un acte de création d'entreprise. Donc vous avez un espèce de raz-de-marée ces dernières années, une démocratisation. Il n'y a plus de portrait robot du créateur d'entreprise, petit, grand, riche, pauvre, qui a fait des études ou qui n'a pas fait des études. L'entrepreneuriat ou la création d'entreprise, ça devient un choix de vie. Comme disaient Macron et d'autres, entrepreneur, it's a French word. N'oublions pas, c'est un mot français. Aladi est un acteur important du financement de la création d'entreprise. On aide notamment les personnes qui sont au chômage, qui ont un projet de création d'entreprise et qui n'arrivent pas à mobiliser un financement bancaire. Donc on a des solutions, notamment de microcrédit, de prêts d'honneur, mais également de subventions grâce à l'appui du conseil régional avec un dispositif qui s'appelle Idéquit Prime. On est sur le salon d'entrepreneurs chaque année, car avec les autres réseaux qui interviennent aujourd'hui aux côtés du conseil régional, notamment le réseau Initiative et le réseau Entrepreneurs, entreprendre on a des offres complémentaires de financement et l'objectif c'est de les présenter aux porteurs de projets qui viennent nous interroger sur qu'est-ce qui existe aujourd'hui en termes d'aide quand on a un projet de création d'entreprise. La communauté Live, c'est une communauté qui a nouvellement été lancée à Lyon. Le principe c'est qu'on puisse organiser l'écosystème, organiser cette communauté pour que l'entrepreneur puisse trouver les bons conseils auprès de ses pairs, auprès d'experts au sein de cette communauté au moment où il en a besoin. Donc une approche qui est très très personnalisée, qui répond aux besoins à l'instant T de l'entrepreneur. Mais le pari qu'on s'est fixé, c'est de fédérer cette communauté. On ne part pas de zéro puisqu'on a un historique, on a un écosystème qui vit déjà depuis 15 ans d'une manière différente, mais qui vit déjà depuis 15 ans. Et là, l'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin dans l'organisation de cette communauté.